pues en miles situaciones es yo el vencedor. Cantando viaja por el río en su barca noche y día, pájaros de compañía. Toda la selva en su hogar, cena tarde con la luna, que no al fuego acompaña, solo abraza su fortuna. Banana Joe. Se oye hablar de un tren o un camión que vendrá. Sus puños, dos cañones, no escucha razones. Sin muchas excepciones, es yo el vencedor. Joe! Je suis content de te voir. Quoi de neuf, Louis? Ah, rien de neuf. Ma femme m'a fait une septième fille. Félicitations! Moi, j'ai 20 garçons, tous des monstres. T'as de la chance. Pourquoi? Bah, une fille, ça sert pas à grand-chose. Fabrique-toi un petit gars. Amène-toi, amigo. Je t'offre un verre et un bon cigare. Allez! Merci, tu es gentil, mais je ne descends jamais à terre. Tu comprends? Mon territoire à moi est fini ici. Hey, je sais, tu ne connais que ton bateau et ton village. C'est ça. Tu as préparé mes provisions? Oui, tout est là. Le sel, la farine, les médicaments, tout. T'as aussi l'agnole de la mère Tobias. Tu voulais aussi de l'agnole? Ah oui, tu veux dire la lotion, le shampoing? Oui, oui, je l'ai. Mais non, c'est pas un shampoing. Elle avale ça en disant que c'est meilleur que l'alcool de banane. C'est un truc contre les pellicules, c'est écrit dessus. Friction capillaire. Faut savoir lire ce qui est écrit dessus. Chez nous, on aurait bien besoin d'une école. Tiens, au fait, il faut combien de bananes si on veut monter une école? Ciao! Oh, banana, ciao! Tienes! Oh, banana, ciao! Corazón gigante y alma soñante. T'as été sage pendant que papa était pas là? Salut, ça va Maria? Salut, ça va Rosa? Hey.
jaune. Doucement, il y en aura pour tout le monde. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Et ça... Oui, oui, je crois que c'est ça. Oh, c'est le paradis terrestre. Oh, des bananes. Oh, j'adore les bananes. Martinez. Tiens, termine-la. En avant, par ici. Ah, qu'est-ce que c'est? Un village. Ah. Est-ce qu'il est indiqué sur la carte? Oh, bah oui. Et avec une foule de charmants bambins, hein? Guili, guili, guili. Une vraie fourmilière de main-d'œuvre bon marché. Ah, voilà un atout majeur pour notre usine de conditionnement de bananes, hein, Martinez? Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui a fermé l'eau? Papa Joe, Papa Joe, viens vite. Les étrangers sont arrivés en bateau. Quoi? Un bateau rapide. Ils sont là-bas. Viens vite, Papa Joe. Viens, là, à ma gauche, c'est ça. C'est ça. Oh, c'est parfait. Oui, oh, voyons. Et ici, nous aurons l'entrepôt avec le sélecteur de bananes entièrement automatisé. Et puis là, une cellule de stérilisation ultra moderne. Et puis l'emballage, l'étiquetage pour arriver à l'expédition, etc., etc. Ensuite, par là. Il y a moi par là. Qui êtes-vous? Banana Joe. Oh, charmant. Banana Joe, c'est exotique. Voici un chewing-gum, un beau chewing-gum à la menthe. Ces sauvages salivent devant une boule de gomme, n'est-ce pas, Martinez? Un peu plus à gauche. À gauche. À gauche, à gauche. À gauche. Stop. C'est ça. Stop. Et toi, qui tu es? Je suis chargé de mission par la multinationale agroalimentaire, concessionnaire de cette île pour l'exploitation, le conditionnement et l'expédition de bananes dans le monde. C'est nous qu'on ramasse les bananes sur cette île. Ensuite, je vais les porter en ville pour les troquer contre des provisions pour le village. Vu? Au fait, t'es un blanc, toi, hein? Un descendant attardé de Christophe Colomb? Écoute-moi, il n'y aura pas de malentendu. Chez moi, tu vas rien planter du tout, amigo. Compris? Sans vouloir être indiscret, est-ce que tu as une patente ou une concession quelconque du gouvernement pour exploiter une bananeraie? Une patente, une concession, c'est quoi ça? C'est un document officiel. Toute personne faisant commerce de bananes doit avoir un document officiel. Ah, j'ai compris. Ah, il a fini par comprendre. Oui, ce que j'ai compris aussi, c'est que vous allez décaniller. Vous polluez mon environnement. Mais nous représentons le progrès, la civilisation. Nous représentons M. Torcillo, le super patron de tout Puerto Grande. Adios! Ma serviette, mes cartes topographiques. Oh, je jure que tu me paieras ça, ou je ne m'appelle pas Sam Moreno de la Torcillo Limited. Si tu veux faire ça, mon fils, fais-le bien. Personne ne défie M. Torcillo sans risque, et tu risques gros. La résidence Torcillo. Ici Moreno, passe-moi le patron. Je vais voir s'il est là, un instant. Patron, Moreno vous demande au téléphone. Qu'il attende, cadre aussi le bananier, c'est plus joli. Voilà, M. Torcillo. En voilà au Time Magazine en suggérant de mentionner en couverture José Torcillo, roi de la banane. Une banane par jour, c'est la santé, toujours. Allô, Moreno? Alors, tu faisais la première pierre, Mandito? Ah non, j'ai bien failli laisser ma peau. Vous auriez dû voir ça, une espèce de grand gorille nous a éjecté de l'île en 5 secs. Qui vous a éjecté de l'île?
Un certain Banana Joe, c'est le potentat du village. C'est un blanc qui est devenu plus sauvage que tous les sauvages. Allez, debout les mouflés, debout. Et toi aussi. Vous avez la maladie du sommeil, ma parole. Hein? Il est pas à moi celui-là, qui tu es? On est tous à toi, tu es le papa de tout le village. D'accord. Hé, douche, après ça, banane frites pour tout le monde. On en a marre des bananes frites, Joe. Bon, oh, si vous les voulez pas frites, je les ferai griller. On n'en veut pas de bananes. Vous savez pourquoi je suis super costaud, vous le savez? Ouais! Parce que j'ai jamais refusé une banane. Allez, allez, dépêchez-vous les gars. Tiens, tiens, tiens. Baptiste, t'as un nouveau parasol et une chemise propre. T'es devenu millionnaire? Presque, et c'est à toi que je le dois. Il n'y a pas de meilleure banane dans le monde entier. Prends-en une, ça te fera du bien. Merci. C'est le meilleur des fruits. Allez, autre. Allez, plus vite que ça, maniez-vous. Sergent! Hey! Pedro, tiens, le v'là, le bonhomme dont Torcillo t'a parlé. Tu sais ce que t'as à faire. Allez, les gars, il faut que je sois rentré avant la nuit. T'inquiète pas, je vais m'occuper de lui. Au suivant. Allez, avancez, chargez le camion. Tiens, c'est pour toi. Bon, qui est le propriétaire de ce bateau? Il est à moi. Alors je veux voir votre permis de transport de bananes par voie fluviale, allez. Votre patente de grossiste et votre carte de travail. Plus vite que ça. Ça recommence. Vous n'avez pas de patente, je vais être obligé de vous arrêter. Et en attendant, je confisque votre bateau et je vous demande de m'accompagner jusqu'au commissariat. Hé, hey, vous n'allez pas confisquer mon bateau. Et si dans 5 secondes vous êtes encore là, je vous jette à la flotte. Quoi? Des menaces de mort contre un officier de police? Calme-toi, Joe. Il ne vous a pas menacé, sergent. Tu auras toujours tort contre les autorités. Et s'ils prennent ton bateau, je ne pourrai plus t'échanger tes bananes contre des marchandises. Tiens, prends ça. Je te paye ta cargaison en billets de banque. Une fois que tes affaires seront arrangées, tu me rends mon argent et moi, je te livre tes fournitures. Ah. Alors c'est ça, l'argent. Attention, hein, le perds pas. Hey. Je ne vois pas comment je pourrais vous donner une patente sans même connaître votre nom de famille, le prénom de votre père, de votre mère, où vous êtes né. En fait, vous n'existez pas. Ben alors, qui c'est qu'elle a devant vous? Un fantôme, peut-être? La loi exige une preuve de votre existence. Eh ben, j'ai un nom. Je m'appelle Joe. Banana Joe. Mais oui, mais pas de patronyme. Je suis connu. Pas de papier d'identité. Vous croyez que les patentes, ça pousse sur les arbres, peut-être? Ben, non. Excusez-moi, mon capitaine, je viens d'appréhender Pezzulo, que je soupçonne d'avoir volé une voiture. Elle n'est pas à son nom. Non, écoutez, capitaine, c'est un malentendu, une simple erreur sur la personne, puisque tous les hommes ont un sosie quelque part. Je m'appelle Juan Villas, j'ai tous les papiers que vous voulez et parfaitement... Bon, ne te fatigue pas, je te connais, Juan Villas, alias Pietro Pezzulo, alias Rodriguez, je connais toutes tes identités. Et elles commencent à m'encombrer, je te mets en tôle. Ah ben non. Capitaine, si c'est parce qu'il a trop de noms, vous l'arrêtez, alors il faut me laisser partir, moi j'en ai qu'un. Compte tenu de votre situation, si vous voulez continuer votre petit commerce de bananes, vous devez avoir une patente. Et pour qu'on vous délivre une patente, vous devez fournir un acte de naissance. En attendant, je dois faire saisir votre bateau. Ah non! Il faut que vous compreniez bien ceci. Le bateau est à moi et je vais repartir avec. Vous touchez à ce bateau, je vous fous en tôle. Ça sera pas facile. J'ai pas de patronyme, donc j'existe pas. Eh ben, faut dire qu'il a pas tort, hein, mon capitaine. La logique voudrait que... Vous êtes encore là, toi? Collez-lui dans une cellule! Sergent! Non, soyons raisonnables, capitaine, vous ne pouvez pas m'enfermer. Voyez-vous, j'ai la preuve que je suis Juan Villas, que je suis né à Caracas le 15 août 1950. D'autre part, si vous examinez les documents, vous trouverez une lettre de remerciement signée de notre bien-aimé président. Oh, lâchez-moi. Une lettre du président? C'est ce que je dis. Eh oui, une lettre.
une lettre de notre bien-aimé Quinto Barredo. Voyons-la. Où il me remercie de lui avoir fourni une boîte de mes pilules hormonales. C'est un nouveau produit dérivé de la racine du Tripodia carputas, une plante presque disparue que j'ai découvert dans la forêt amazonienne. Et au cas où la belle épouse de notre cher président lui donnerait cette fois un beau mâle au lieu d'une sixième fille, le mérite en reviendra à moi-même en toute modestie. Voilà. Oui, je vois, oui. Eh bien, tant mieux si vous voulez. Sergent, laissez-le partir. Oh, merci, capitaine. Mais j'ai l'impression que vous allez monter en grade. Et oui, j'ai des relations. Et un mot de moi peut faire des miracles. Merci. Au revoir, ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. Merci, au revoir. Eh bien, colonel, je peux repartir avec mon bateau. Tant que vous n'aurez pas de papier, il n'en est pas question. C'est à la ville que vous devez les chercher. À votre place, je commencerai par aller chercher un certificat de baptême à l'évêché. Un certificat de quoi? Et quand vous êtes né, vous avez été baptisé, non? Oh, je me souviens pas, colonel. Une fois que vous aurez votre certificat de baptême, vous irez demander votre acte de naissance au bureau de l'état civil. Ah. Alors, allez à la ville et ramenez-moi la preuve de votre existence. Et à la ville? Et comment on y va à la ville? Bon là, en train. Ou alors faites-vous prendre en stop par Duchemol. Hein? Par qui? Duchemol? N'importe qui, Duchemol ou Duchloc. Je les connais pas. Amigo! Amigo! Alors comme ça, tu as besoin d'une patente pour le commerce de la banane? Oui. Eh ben, tu as de la chance, j'en ai justement une sur moi, tu vois. Ah, merci. Oui, mais il me faudrait un petit quelque chose, tu vois, un petit truc, quoi. Ah, tu veux dire ça? Ah, ben, ça tombe bien, c'est ce que je voulais dire. Ah, mais c'est trop tout ça. Non. Ça suffira, ça, voilà. Ok. Allez, vive le roi des, comme dirait mon cousin. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as une tête sympathique, quoi. Ah! Batista, j'ai ma patente. Je suis content pour toi et elle est valable 2 ans. L'ennui, c'est qu'elle n'est pas à ton nom. Tu vois, Alvaro Gomez, tu t'appelles pas Gomez, non? Non, je suis Banana Joe. Bah, celui qui t'a vendu ça, il t'a pas rendu service. Désolé pour toi. Pourquoi il me l'a pas dit tout de suite? Je l'aurais pas acheté. Maintenant, il va falloir que j'y aille à cette putain de ville. Hey, Diego. Ouais? Ça va? Très bien, et toi? Quoi de neuf? Où tu vas? À la ville, mais on attend. On attend que Miguel donne le départ de la course. Le départ de la course? Ouais. Quelle course? Mais quoi, tu ne sais pas? Chaque lundi, le premier camion qui arrive à la ville fixe le prix des bananes pour la semaine. Dans une minute. Et alors, pourquoi se presser? C'est de l'arithmétique simple. Celui qui fixe le prix empoche la différence avec l'ancien prix. Hey, Diego, je peux monter avec toi? Bien sûr, avec plaisir. Et malgré ton poids, parce que je n'ai pas l'intention de gagner. Ah ouais? Pourquoi? Entre nous et confidentiellement, je tiens trop à ma carcasse pour lutter contre José Torcillo. Son chauffeur gagnera, car c'est lui qui contrôle le marché à Puerto Grande. Torcillo? J'ai déjà entendu ce nom. Mais tiens, c'est le chauffeur de Torcillo. Allez, vas-y, grimpe. 10, 9, 8, 7. Quelle jambe, hein?
Ouais. On a beaucoup de filles, hein, mon Lito. Mais pas comme celle-là. Avec des bras noirs. Elle s'appelle Dorian. Elle chante dans un cabaret à Puerto Grande. Tu vois ce que je veux dire? C'est dingue! T'arrives si t'essayes de le dépasser? C'est pas juste. Ouais. C'est dégueulasse. C'est un âne. À force de pousser son moteur, ses pistons ont claqué. Il peut remercier le ciel, hein, parce que par contre, le chauffeur de Torcillo aurait écrasé le gosse, lui. Mais c'est un salaud. Laisse-moi conduire. Ah non, mais t'es fou ou quoi, mais enfin, Major, mais tu sais même pas conduire. C'est rien, il y a qu'à appuyer la pédale. Ah, je t'en prie, Joe, ralentis, hein. Tu sais bien que c'est le chauffeur de Torcillo, il faut le laisser gagner. Torcillo, c'est un crétin. Toi, tu la fermes. Très bien, Moren. Je te confie le projet Aventino de A jusqu'à Z. Soyez sans crainte, monsieur Torcillo. Avant que la police relâche ce gorille, j'aurais fait de ce village un paradis industriel. Monsieur Torcillo, il faut peut-être faire très attention avant de décharger la marchandise. T'inquiète pas. Une caisse marquée Torcillo passe la douane comme une lettre à la poste. Monsieur Torcillo, c'est le plus fort. Et ce n'est qu'un début. Bientôt, j'aurai le contrôle absolu du marché mondial de la banane de A à Z. La gloire nous attend, capitaine. Et la fortune. À la place du marché. Je ne rate jamais l'arrivée de la course. J'aime voir gagner mon chauffeur. Ciao. Oh, banana. Yes. Oh, banana. Voyons ce que tu vas faire maintenant. Oh, retiens où est ça, tu veux? Je vais prendre des photos de l'arrivée. Ça va, patron? Monsieur Torcillo. Vous pouvez marcher. Une banane par jour, c'est la santé toujours. Vous avez de la chance d'être en vie, patron. Beaucoup de chance. Je suis devenu une fusée humaine. Oh, regardez, c'est lui le salaud. C'est lui qui vous a catapulté. Banana Joe, le sauvage d'Amantido. Conduisons-le sur le bateau. Et venez, patron, un petit effort. Allez, venez.
Allez, tirez-vous de là. Non, c'est pas moi qui conduisais. Alors, c'est moi qui conduisais. Je sais pas qui tu es, mais c'est pas régulier de passer sur un chantier. Ah oui, tu m'en diras tant. Calme-toi, Miguel, c'est idiot de se battre pour ça. Ce chauffeur a gagné la course, c'est lui qui fixe le prix cette semaine. Ouais, peut-être, mais il ne peut rien pour attendre. Augmente le prix, on partagera la différence. Ah oui, c'est gentil. Diego, dis donc, c'était combien la semaine dernière? 200 kilos. Ah, d'accord. Alors je fixe le nouveau prix à 100 pesos le kilo. Tu es fou, tu veux nous ruiner. Tu sais que tu as cassé le marché. Les grossistes n'accepteront pas. Et les grossistes, c'est Monsieur Torcillo. Ouais. D'un pauvre type. Oh non, il n'y a qu'un pauvre type ici, c'est un certain Torcillo. T'es mis dans un sale pétrin. Ouais. Tu viens? Où on va? Bah, toucher ta prime. Alors, ça va mieux, patron? Tu es un crétin, un idiot patenté, c'est ta faute. Qui, moi? Qu'est-ce que ce sauvage venu d'Amantido faisait dans le camion? Ne t'inquiète pas quand je vais lui mettre la main dessus. Tu es un incapable, Lorenzo. Et je sais. Regardez, monsieur Torcillo. Nos gars l'ont capturé, on va bien rigoler. Rouille-toi, vieille baleine. Hé, hey, K.O., tu viens, il y a du boulot. On a besoin de moi. Tu es prêt, si on ouvrait le bal? Tu vas voir, mon gros, ça va être ta fête. Allez, viens. Allons danser. C'est ça. Un quadrille pugilistique. Tu verras des étoiles de toutes les couleurs. Tu verras, on va rigoler. C'est K.O. et son super uppercut. Luigi et son marteau pilon. Ça, c'est le prochain George. Oh, attends, ça, c'était le marron doublé de Jackie. Ah, voilà une leçon dont il se souviendra. D'abord, pourquoi tu ris, imbécile? Rendre à Mantido tout de suite. Oui. Ta place est là-bas. J'y vais. Chapeau, Moreno. Oh, excusez-moi, patron. Attends. Oui. Monsieur Torcillo. Tu es encore là? Oh, je m'en vais, je m'en vais. Bravo les hommes, je vais apprendre à faire le malin avec José Alfonso Torcillo. Monsieur Torcillo! Monsieur Torcillo, vous êtes là? Pour qu'on fasse connaissance, où êtes-vous? Monsieur Torcillo! Merci de m'avoir invité à la fête! Ciao! Oh banana, ciao! Tienes! Oh banana, la, ciao! Corazón gigante y alma soñante! Oh banana, la, ciao! Ciao! Oh banana, ciao! Tu eres! Oh banana! En traverse France Hébert. Mais vous ne savez pas ça? Vous devez faire attention. Il faut faire un constat. Allez, en arrière. Dégagez. Dégagez. Hé, hey, la verdure. Vas-y. Traverse, je te suivrai. Jamais avec un inconnu.
Monsieur. Ah. Qu'est-ce que vous cherchez à cette heure-ci? Je cherche l'évêché. Un monsieur de votre classe ne doit jamais être aussi mal vêtu. Ah, c'est pour ça que tout le monde me regarde. Ignorez que l'homme qui sait ne peut être habillé que par Quintero. Faites-nous confiance et choisissez votre nouveau costume parmi nos modèles. Merci. Quintero, l'habilleur qu'il vous faut. Et vous donnez ceci à la comptabilité? Oui, monsieur. Mademoiselle, vous désirez, monsieur? Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais acheter un costume neuf. Et ici, nous ne vendons que des appareils ménagers, monsieur. Vous voulez peut-être un poste de télévision ou bien un lave-vaisselle? Non, c'est quelqu'un dans la vitrine qui a dit qu'il fallait m'acheter un costume quelqu'un chez vous. Quelqu'un dans la vitrine? C'est très curieux. Expliquez-vous plus clairement. Quelqu'un dehors m'a dit d'entrer ici pour choisir un costume. Ah, vous êtes de la caméra invisible. Ce type est sûrement encore là, si vous ne me croyez pas, allez lui demander. Il était là, dans la petite lucarne. Estrella, le lait entier, c'est l'énergie en plus. Au lait? Cette dame doit être la femme de celui qui était là il y a une minute. Mais quand on y réfléchit, pourquoi ils sont dans une boîte? Vous êtes de la caméra invisible. Bon, écoutez, vous m'avez fait assez perdre de temps comme ça pour aujourd'hui. Au revoir. Et non, je suis pas... Vous êtes séduisant. Très dynamique. Qui, moi? Très actif. Vous avez choisi un déodorant qui est à la fois viril et subtil, c'est tropical, sexe. Bandit salaud! Crapule! Mais non, c'est un malentendu, vous avez... Il nous a volé! Mais non, j'ai... Mais trop! Mais je connais la différence entre un taureau et une vache. Mais nous avons vendu des vaches maigres mais pour si des taureaux de combat! J'ai fait venir un expert à mes frais d'ailleurs, vous verrez. On va se faire bouffer, c'est ces vaches! Je suis bonne foi. Amigos du calme, écoutez-moi! Mais les taureaux ont des cornes! Mais ceux-là aussi, ils ont des cornes! Ce sont des taureaux de montagne, les cornes sont à l'intérieur de la peau. Il faut leur tirer les oreilles pour faire sortir les cornes. Mais c'est à toi qu'on va tirer les oreilles! Jusqu'à faire sortir les cornes! On n'est pas des sauvages. Mais ils n'ont pas de cornes, mes taureaux, je suis d'accord. Maître, vous avez vu leurs dents? Non, pas avec mes dents. Aïe, aïe. Oh là là. Ah non, monsieur, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Non, je casse facilement. Oh, merci. Merci, tu m'as sauvé la vie. Comment te remercier pour ta générosité? Comment? Je t'ai sauvé la vie pour pouvoir t'étranger. Ah non, mais attends, non. Je sais. Tu m'en veux, hein. Je t'ai cherché partout. C'est un affreux malentendu. Je t'ai vendu une patente, mais je te jure que je ne savais pas qu'elle n'était pas à ton nom. Je t'ai cherché partout pour te rembourser. Je te le jure sur la tête de ma mère. Je peux pas dire mieux, alors voilà. Voilà. Je peux regarder. C'est beau, hein? En couleur et tout. Ouais. Pourquoi? Mais pourquoi les gens s'imaginent que je cherche toujours à y rouler? Écoute, avorton. J'ai besoin d'un certificat de baptême. Tu sais où je dois aller? Je connais l'évêché comme ma poche. Laisse-moi faire. Dis-moi maintenant, est-ce que je peux troquer ça contre un costume neuf? Un costume neuf? Hein? Un costume neuf? Ah bah oui, je connais le meilleur tailleur en ville et pas cher du tout, tu verras. Tu veux dire qu'avec ce petit bout de papier, je peux m'habiller de la tête aux pieds? Si tu vas à l'évêché, tu sais bien que l'habit fait le moine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on te juge sur l'apparence. Ou tu as de la classe, ou tu es n'importe quel du schnock. Ouais, c'est fou, tout le monde le connaît, ce du schnock. Excepté moi, bien sûr. Un petit plissé ici. Une petite pince là. Oh, quel merveilleux bicep. Je veux un costume, pas un massage. C'est... Ah, mais c'est super, ça c'est... Vraiment super. Peut-être manque-t-il quelque chose, hein. Est-ce une paire de chaussures? J'allais justement le suggérer. Et comme par hasard, j'ai ici exactement ce qu'il faut. Naturellement, ton ami a une pointure difficile, mais intéressante. Un petit 48 de voluelle. Et... J'en veux pas. Il a tout à fait raison. Il préfère les chaussures que je vais moi-même lui offrir. Je reviens tout de suite. Oh, oh, oh. Oh non. Voyons. Et l'entrejambe, vous êtes à l'aise? Ça va pas, non?
Qu'est-ce que c'est que ce travail? Tu serais pas un peu... Seigneur, seigneur, c'est la chaussure qu'il vous faut. Non, je n'achète pas de chaussures, je les vends en gros. Je reviendrai dans deux semaines avec une bonne affaire pour vous. Un lot qui vient directement d'Italie. Merci, seigneur. Oh, vous ne reverrez plus votre ami de sitôt. Tenez, un 48, je vous les offre avec plaisir. Merci. Oh, il n'y a pas de quoi, je vous en prie. Mais en parlant de votre ami, il m'a dit qu'en plus de votre complet, vous me paieriez tous les costumes que je lui ai fait depuis plus de 2 ans. Non, non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Je vous paierai ce que je porte, c'est combien? Et pour vous, ce sera 500 dollars. Ça suffit, ça? Ça ne vaut pas le chiffon sur lequel c'est imprimé. Oh, c'est une publicité pour un film sur les faux monnayeurs. Quel dommage, cher ami. Vous avez été escroqué, là. Ça. On ne peut rien troquer contre ce billet? Rien du tout. Je ne m'en servirai même pas pour aller aux toilettes. Tenez, regardez le papier. Pour ma part, j'emploie du super doux. Si jamais je le revois, je le lui ferai avaler. Et ça, ça vaut quelque chose? Oh, vous avez de l'argent, du bon argent, l'effigie du président, c'est bien. Mais je ne voudrais pas vous dépouiller de vos derniers subsides. Tenez, je n'en garde que la moitié en acompte. Vous me devrez le reste. Mais je vais retirer mon certificat de baptême et repartir à Avantilo. Vous en avez pour un bout de temps, cher ange. Ici, vous avez affaire avec des bureaucrates séniles qui sont toujours 4 fois plus lents que les autres, sauf quand ils réclament les impôts. Avez-vous un endroit où dormir? Hein? Vous pouvez venir chez moi, si ça vous dit. Non. À votre aise. Trouvez-vous un emploi avant de dépenser tout votre argent? Ça ne devrait pas être difficile quand on a ces merveilleux biceps. Allez donc au Mocambo, c'est un nightclub. Demandez une place de videur. Ah, il paraît que ça paye très très bien. Et ça vide quoi, un videur? Oui, nous cherchons un videur. Vous travaillerez de 6h du soir à 6h du matin. Si vous voyez quelqu'un importuner des clients, et en particulier les filles qui travaillent au club, vous le harponnez et vous le balancez dehors. Je le harponne et je le balance dehors. Vous serez payé 50 dollars par jour. En farine ou en sucre? En liquide. Ah oui. Ça fait le quart de la moitié d'une cargaison de bananes. Qu'est-ce que ça a à voir avec les bananes? La banane fait tourner le monde. Jusqu'à ce qu'on l'oublie. Ah oui, et quand on le retrouvera, moi je vais le mettre en bouillie. Très bien.
ne désespère pas. Bonsoir, monsieur. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous conduire à votre table. J'ai quelques coups de fil à passer d'abord. Qui est la chanteuse? Elle est mignonne. Elle s'appelle Dorian. Elle a un contrat d'un mois. Elle débute ce soir. Elle a accepté nos conditions? Bien sûr. Où elle habite? Une suite dans un de vos palaces, l'Ambassador Towers, patron. Parfait. Une orangeade, s'il vous plaît. Viens, ma jolie, je t'invite à ma table, je suis très généreux. Non, merci, je ne travaille pas aux tables. Et t'as pas besoin de travailler, je t'invite. J'ai horreur des ébranles. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous importunez cette dame, alors je vous balance dehors. Mais vous ne savez pas avec qui je suis, on dirait. Exact, je vous ai jamais vu. Vous êtes un insolent, vous aurez mis nous même. Je vous ferai renvoyer, me manquer de respect à ce point. Petit voyou, dehors. Lorsqu'un client vous invite à sa table, vous devez accepter, surtout si c'est le sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères. C'est surtout un homme très mal élevé. Vous avez besoin qu'on vous apprenne à vivre. Essayez donc, je suis très curieuse. Vous me provoquez? Non mais qu'est-ce que vous faites? Mais est-ce que vous avez perdu la tête? Non, je suis le patron ici, vous avez oublié. Alors je vous harponne et je vous balance d'or. Où est-ce que vous êtes blanchi? C'est un ordre. Vous me vous êtes renvoyé à partir de tout de suite. Pouvez-vous lâcher? Je vous ordonne de quitter les lieux immédiatement. Oh, oui. Oh non. Ah, oui. Oh. Si j'attrape une bronchite, je vous fous à la porte. Je ne plaisante pas. Ce n'est pas le moment, vous n'êtes pas à la Croix-Rouge ici. Vous êtes censé capturer le monstre. Mettez-vous en chasse, qu'est-ce que vous attendez? On y va, patron. Qu'on le supprime une bonne fois pour toutes. On ne plaisante pas avec Joseph, on se torcille. C'est Diego, le directeur. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'a fait ça? T'as glissé sur une peau de banane? J'espère qu'il n'a rien cassé. Alors, ça va, mon pied? Merci, oui. Venez vous asseoir, ma table. Vous faites erreur. Je ne suis pas candidate. Non, le genre de fille que j'aime beaucoup. Pas coquette et belle comme l'amour. Laissez-moi au moins vous conduire chez vous, d'accord? En roche. Il vous a importuné. Oh, c'est encore le monstre, Seigneur! Vous importuniez cette dame, je vous balance dehors. Allez! Mais vous ne savez pas qui je suis! Le videur m'a vidé comme un malpropre. C'est le patron. Patron, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes blessé? Vous avez glissé sur les marches. Ça va, hein? Ça va. Venez avec moi, vite. Où ça? Vous poserez des questions plus tard, venez. Et où on va? Venez de jeter le patron dehors, vous n'avez plus qu'à disparaître. J'aimerais qu'on me paye pour mon boulot. Vous l'avez perdu, votre boulot, et tout ça à cause de moi. Et je risque d'être renvoyé aussi. D'accord, ça m'a fait plaisir de travailler avec vous. Oh, oh, mes fesses, oui, d'imbécile, de tordu, de débile, de... Non, mais c'est pas tombé, pour l'amour du ciel. Doucement. C'est le monstre qui m'a jeté du haut de l'escalier. Il a de la fièvre. Je vous dis que c'est Banana Joe. C'est Il a catapulté ma voiture en orbite. Il m'a ruiné en cassant le prix de la banane. Je ne sais plus ce que je dois faire. Il est allé jusqu'à me jeter hors du Mocambo, mon propre club de mes laisses. Tu coupes-le en lamelles. Faites-en des rondelles de saucisson. Mais combien de bananes avez-vous mangé? Toutes, elles étaient là pour ça, non? Vous voulez du café? Non, merci. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Vous n'avez encore jamais vu de femme? Si, une ou deux. Mais je ne suis pas comme vous. Vous portez des bas.
Pas en ce moment, non. Je ferais bien un gosse avec vous. Ah. Vous, au moins, vous allez droit au but. Vous disiez que vous habitiez un petit village. Et le village d'Aventido, c'est dans une jolie petite île sur le fleuve. Et ils sont tous comme vous à Aventido? Enfin, pas exactement. En général, ils sont un peu plus maigres. Et vous demandez à chaque femme que vous rencontrez de faire un gosse avec vous? Pourquoi? C'est mal? En tout cas, c'est assez original. Mmh. Eh ben, si vous voulez pas, je serai pas vexé. Je suis peut-être pas votre type d'homme. Non, c'est pas ça. Ces choses-là ne se disent pas aussi brutalement. Vous devez courtiser la femme, lui envoyer des fleurs, la fréquenter plus longtemps. Ensuite, on parle de gosse, si on est d'accord. Oh, des fleurs, eh ben, on pourrait commencer par faire le gosse et par les fleurs ensuite, hein? J'aurais une autre solution, Joe. Laissez-moi réfléchir à la question. J'attends ici. Non, pour aujourd'hui, je crois que je vais me coucher. Très bonne idée. Vous allez à l'évêché, c'est bien ce que vous m'avez dit, pour retirer un certificat de baptême, c'est ça? Mon père. Oui? Rendez-moi un service. Mais oui, avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. J'ai besoin d'un certificat de baptême, ça se passe où? Alors, c'est le bureau du père Enrique. En ce moment, il est en prière, mais vous pouvez vous joindre à lui si vous voulez. L'église est là-bas. Qu'est-ce qui fait chaud? Père Enrique! Comme ça dans la maison de Dieu. Je viens voir le père Enrique. Où est-il? Vous le trouverez au confessionnal. Merci. C'est source de péché, mon enfant. Oh, mon Dieu, pardonnez-moi. J'ai buté contre Ditton. Vous voulez vous confesser, mon fils? Il m'a cassé la mâchoire. Oh, Seigneur, votre chapelet est cassé, ça doit être gênant. Mmh. Prenez le mien, je vous le donne. Merci, ma sœur. Sainte Marie, pleine de grâce, écoutez votre pauvre serviteur. Soyez généreux et venez-nous notre pain quotidien. Père Enrique! Chut. Oh! Chut. Je vous aurais bien volontiers rendu ce service, mais cela n'est plus en bon pouvoir. Vous comprenez, c'est à cause de ce pyromane. Je vais aller le trouver, où est-il? Ce n'est pas si simple, mon fils. C'est même lamentable.
Il y a 5 ans, tous nos registres ont été détruits dans l'incendie des bureaux. Qu'est-ce que je fais alors? Nous n'avons aucun document vous concernant. Mais comment prouver que j'existe? Il faut d'abord aller au ministère. Oui. Vous demandez le bureau de l'état civil et là, vous leur dites qui vous êtes. Banana Joe. Et vos parents? J'ai pas le moindre souvenir de mes parents. Alors, je vois, vous êtes dans ce cas un fils de pays. Je suis pas du pays, je m'appelle Banana Joe. Je veux dire de parents inconnus. Ne vous en faites pas, mon fils, vous trouverez sûrement votre identité, vous verrez. Je vais à l'état civil? Demain, aujourd'hui, c'est dimanche. Vous savez où dormir, cette nuit? Oui, je crois. Qui est là? Un admirateur, vous aimez le champagne? Oh, monsieur Tansillo. Non, pleure-moi, José. Il est très tard, j'allais me coucher, justement. Excellente idée. Mais auparavant, prenons une petite coupe ensemble. J'ai vraiment horreur de boire seul en présence d'une jolie fille. Bon, eh bien d'accord, mais rien qu'une petite minute. Excusez-moi, je vais me changer. Je vous excuse. Vite, cachez-vous. S'il vous trouve ici, je perdrai mon emploi. Vous voulez vraiment que je me cache ici? Chut, dépêchez-vous. Ma carrière dépend de lui, alors cachez-vous vite. Ah oui? Oui, je suis champion de cache-cache au village avec les enfants. J'entrerai jamais là-dessous. Entrez. Vous auriez dû me prévenir. Il se trouve que ce palace m'appartient. Vous aimez votre appartement? Oh oui, c'est très fonctionnel. Oh, tiens. Je vois que vous ne détestez pas les bananes. On dirait que vous saviez que c'était le moyen de me conquérir. Oh, mon bras. Oh, je suis vraiment désolée pour hier soir. Aucune importance. Je m'en remettrai quand j'aurai pris quelques jours de repos et de détente. D'ailleurs, vous serez mon infirmière. Oh. Ça m'ennuie, monsieur Tansillo. Je suis totalement incompétente, croyez-moi. Tout ce que je demande, c'est une oreille attentive. Mes nerfs sont ravagés parce que je suis persécutée sans répit par ce grand sauvage. En ce moment, je ne suis pas d'humeur amoureuse. Je ne demande qu'un peu de tendresse avec quelqu'un qui me plaise. Mais lorsqu'on me plaît, je dois pas céder. Oh, c'est affreux. Je suis confuse. C'est un accident. Mais oui. Oh, et la salle de bain. Il faut bassiner cet œil. Une serviette, s'il vous plaît. Serviette! C'était le sauvage, c'était lui! Il n'y a personne. Mais où est-il allé? Il n'y a que nous. Il n'y a personne d'autre ici. Vous êtes victime d'une hallucination. Ah, si vous en êtes sûr, c'est un vrai cauchemar. Tiens, le voilà, dans le miroir. Bah, vous n'allez pas me dire que c'est encore une hallucination. Ah, c'est les bananes, sans doute. Je vous assure, mais il n'y a personne. Je sais, mais je vais quand même vérifier. Oui, vous aviez raison, c'est une hallucination. Il est là et pourtant je pourrais le toucher. Et c'est pourtant une hallucination. C'est pourtant une... Monsieur Tansillo! Quoi? C'était Tansillo, ce type-là? Vous êtes payé pour trouver ce grand singe, tas de clowns. Et qu'est-ce qui se passe? Qui le trouve? C'est moi. Et il m'a tellement terrifié que j'ai sauté par la fenêtre du 3e étage, en plein sur un cactus géant. Le docteur va vous arranger ça. Il a déjà extrait 325 épines. 326. Une banane par jour, santé toujours. C'est faux, patron, c'est la pomme qui donne la santé. Trouvez ce gorille. Je vous donne exactement 2 jours, pas plus, pour me balayer ce sauvage de la surface du globe. Sinon, c'est vous qui serez balayé et j'y veillerai personnellement. Et c'est là que vous vous faites faire des photos? Dans ce KGB? Oui. Mais pourquoi des photos? C'est la première chose qu'on demande pour établir une carte d'identité. Vous avez meilleure allure dans cette tenue. Ce style vous va très bien, Joe. Vous êtes gentil. Salut. Mon divan est toujours à votre disposition. Oh, merci. Je ne sais pas si ça me va bien, mais dans l'autre costume, je me sentais étouffé. Bonne chance. Au revoir. Au revoir.
Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Bon, et maintenant? Cette photo, elle est où? Pardon, monsieur, l'état civil, c'est encore loin? Tout droit. Merci. Excusez-moi, madame. Tout le monde, j'attends depuis 6 heures du matin. Des gens qui sont vraiment culottes. Excusez-moi, où il est le patron dans cette baraque? J'ai aucune idée, mais là-bas, il y a un homme qui crie beaucoup. Demandez-lui. Tous à la fois, je m'entends bien. Attendez-vous. Qui est le suivant? Votre acte de naissance. À la fois, c'est un premier sur un formulaire, il y a le numéro, il y a le guichet 2. Au suivant. Ne vous bousculez pas. Qui est le suivant? Je sais bien que c'est madame que je suis pour bien écrire une lettre au président. Ça fait 10 ans que je viens ici pour faire tamponner ma demande. Qu'est-ce que vous dites? J'attends depuis 10 ans pour faire valider ma pension. Je sais pas ce que c'est qu'une pension, mais pour vous, c'est sûrement très important, non? Oh, oui, c'est important. Il m'arrive de passer des journées sans manger, c'est très dur. Avec ma pension, je pourrais m'acheter du pain. La pension, c'est un ticket de pain, c'est ça? Oui, c'est rempli toutes les conditions, mais il faut le dernier tampon. Pourquoi ce tampon? Une fois qu'ils ont tamponné la demande, elle est validée. Mais qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas que ça à faire. Je m'appelle Banana Joe et je viens demander une carte d'identité. Voilà les photos. Une carte d'identité. Vous avez votre acte de naissance? Je m'appelle Banana Joe. Je suis venu pour une carte d'identité. Voilà, j'apporte mes photos. Mais oui, ça j'ai compris. Mais si vous n'avez pas un acte de naissance, il m'est impossible de vous délivrer une carte d'identité. Vous pourriez être n'importe quel du schnock. Non, écoutez, du schnock connaît pas. Moi, c'est Banana Joe. Tenez, c'est moi là sur les photos. Banana Joe. J'ai bien entendu, mais je suis désolé, monsieur Joe. Demandez un acte de naissance au guichet 2 et quand vous l'aurez, revenez ici. Qu'est-ce que je fais avec les photos? Quand vous reviendrez avec votre acte de naissance, épinglez-les à votre demande de carte d'identité. Et au suivant, je vous prie. Oui, et qu'est-ce que c'est? Revenez avec votre attestation fiscale. Au suivant. Je m'appelle Banana Joe, je viens pour un acte de naissance. Oui, montrez-moi votre carte d'identité. Non, mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? J'ai besoin d'une carte d'identité, voici les photos. On ne délivre pas d'acte de naissance sans une preuve de votre identité. Allez d'abord au guichet 16 et revenez avec votre carte d'identité. Et justement, j'en viens du guichet 16. Je regrette, mais je ne peux pas vous donner un acte de naissance sans une carte d'identité. À la fois, je n'y peux rien, moi c'est le règlement. Allez, où suivant? Je suis allé au guichet 2, comme vous l'avez dit. Et l'imbécile qui est derrière me dit que sans carte d'identité, il ne donne pas d'acte de naissance. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais comment vous délivrez une carte d'identité si je n'ai aucune preuve de votre identité? Retournez au guichet 2 et insistez pour qu'il vous donne un acte de naissance. Excusez-moi. On se fout de moi ici. Ils ne veulent pas ceci. Si on leur donne pas cela, c'est pas croyable. Je suis comme une balle de ping-pong entre eux. Excusez-moi, j'étais là avant vous. Minute, où allez-vous comme ça? J'ai quelque chose à vous dire. Écoute-moi, ton copain du chez 16 vient de me dire qu'il donne pas de carte d'identité sans acte de naissance. Mais non, enfin, monsieur, moi, mais ça m'énerve. Un instant, je reviens tout de suite. Attendez, hey, Paco, tu t'es réveillé avec des cailloux dans la tête? Pourquoi tu me renvoies ce client? Tu sais bien que je peux pas donner un acte de naissance si le demandeur n'a pas un papier d'identité et ça relève strictement de notre service. Je suis le chef de ce service. Si vous voulez bien m'expliquer votre problème, je suis sûr que nous trouverons une solution. Qu'est-ce que vous avez là? Tout ce que j'ai, c'est les photos. Oui, je vois. Et vous désirez une carte d'identité? Vous avez servi dans l'armée? Non. Jamais reçu une feuille d'appel? Si j'avais reçu une feuille d'appel, j'y aurais rien compris pour la raison que je ne sais pas lire ni écrire. Dans ce cas, malgré toute ma bonne volonté, je ne peux rien faire pour vous. Mais il y a un moyen de prouver votre identité, c'est d'entrer dans l'armée. À votre place, j'irai au bureau de recrutement et je leur dirai que je veux signer un engagement. Vous reviendrez ensuite ici et on vous délivrera votre acte de naissance. Et où il est, ce bureau de recrutement? À la caserne Zoncada, tout près d'ici. Zoncada. Faites-vous des soldats!
bande de rabonnés. Et je ne tolérerai aucune défaillance, c'est clair. Vous, quelle était votre profession dans la vie civile? Scaphandrier. Bravo. Vous, vous aviez un métier avant de venir ici? J'étais plombier. Bravo. Vous, maître nageur. Bravo! Votre uniforme est trop petit, on dirait. C'est seulement pour la carte d'identité. Vous êtes un drôle de conscrit, en tout cas. Vous êtes plutôt marrant, vous aussi. Taisez-vous, insolent! Appelez-moi chef, je suis votre sergent! Je peux vous briser si je veux, je suis votre supérieur. Si je vous appelle chef, est-ce que vous m'appellerez chef, vous aussi? Écoute, ici, tu t'adresses au sergent José Felipe Maria Marquito. Et tu sais comment on me surnomme? Non. La Terreur Sainte, monsieur. Alors ne l'oublie pas. Des conscrits comme toi, j'en mange trois au réveil. Donc de quoi est-ce que tu vivais avant de t'engager? Oh, de bananes. Respecte tes supérieurs. Ici, c'est l'armée! Alors rentre-toi bien ça dans la tête! Sinon, je t'avertis, je te briserai! Je te ferai ramper comme une libasse à mes pieds! Plus vite! Plus vite! Collez-vous au sol! Je vais vous apprendre, moi, à faire les marioles pendant l'exercice! On dirait des vaches sur le point d'accoucher! Rampez, rampez, rampez! Allez, allez! Plus vite! Encore! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Je vais vous transformer en un peloton de panthère. L'ennemi vous attend au bout du terrain de manœuvre. Foncez. Vous allez lui rentrer dedans. Pourquoi vous vous arrêtez? C'est la pause café? Aplatis les épaules, redouble et avance. Ça serait plus facile si je passais par-dessus, non? Tu serais sous le feu ennemi, crétin. Dites-moi, sergent, vous pouvez me donner mon certificat maintenant? Quel certificat? Comme quoi j'ai été un soldat. Qui vous a donné l'ordre d'abandonner votre poste? Mon poste, je l'ai apporté. Silence, il est interdit de prendre un service de garde. Que voulez-vous? Et le certificat comme quoi j'ai été soldat? Mais qui a dit que vous êtes un soldat? Vous êtes un conscrit. Après votre entraînement, vous serez un soldat. C'est-à-dire pas avant 8 semaines. 8 semaines? Mais je tiendrai pas jusque-là, moi. J'ai mon village, mes enfants et les bananes. Donnez-moi la force, mon Dieu. Tu es dans l'armée, alors écoute, je te briserai les os un par un, tu m'entends? Je t'enfoncerai sous terre, tu m'auras sur le dos 24 heures sur 24, parole de sergent. Je ferai de toi un vrai soldat, c'est clair? Aujourd'hui, je vous enseignerai les principes du combat à main nue. Comment triompher d'un ennemi sans le secours d'une arme et atteindre le plus haut niveau d'efficacité dans ce qu'il convient d'appeler les arts martiaux. Un bon soldat doit connaître tous les secrets du judo et du karaté. Les armes défensives du samouraï. Alors, regardez. À la marche. Donnez-moi un coup de poing. Au suivant, avancez. Oui, chef. Donnez-moi un coup de pied. Oui, vous, le gras double, je vous ai vu sourire. Avancez, je vais vous le faire avaler, ce sourire. Nous allons voir ce que t'as appris. Donne-moi un coup de poing. Mais n'aie pas peur, gras double, tape aussi fort que tu peux. Ça serait pas très sage, je risque de vous casser quelque chose. Je sais ce qui est sage et ce qui ne l'est pas. Allez, tape, c'est un ordre.
l'aura voulu. Ça, c'est pour m'avoir appelé gras double. Aujourd'hui, j'ai invité le colonel à assister à vos exercices. J'espère que vous en serez digne et que vous vous montrerez à la hauteur. Celui d'entre vous qui sera assez mal inspiré pour me faire honte devant le colonel sera de corvée de plus durant tout son service. Vous allez donc montrer au colonel comment j'ai fait de vous des soldats. Sergent. Mon colonel. Sont-ils prêts pour l'exercice? Oui, mon colonel. Section AIP du premier peloton de conscrits. Gardez-vous. À vous, mon colonel. Faites les manœuvres, sergent. À vos ordres. Section AIP, premier exercice de traversée d'une rivière dépourvue d'un pont. Premier conscrit, pas de gymnastique en avant. Allez, allez, allez. Au suivant. En avant. Allez, allez, allez. Plus vite, plus vite, plus vite. Au suivant, en avant. Plus vite, allez, allez. Ou pas redoubler. Ou pas redoubler. Allez. Pour quel motif je dois sauter, chef? Votre motif vous attend sur l'autre rive. C'est l'ennemi, vous voyez pas? Ceci représente une rivière et ça, c'est la rive opposée où se trouve un nid de mitrailleuse ennemie. Sautez la rivière et détruisez-le. Quelle mitrailleuse? Mais elle est camouflée, sinistre crétin, alors traversez, détruisez-la. Mais pourquoi? Sergent! À vous, mon colonel. Donnez-lui donc l'exemple. Exécution, sergent. Je vais faire une démonstration sur la manière de franchir l'obstacle. À vos ordres. Cet homme est stiffonné. Démonstration à jouer, mon colonel. Non, c'est une tentative de meurtre délibéré. Cessez de faire le pitre. Vous êtes indigne de vos galons. Oh, vous prendrez la place de cet homme à la corvée de plus en attendant mieux. Martino, le couteau. Plus fine, la pluche. T'as pas fini de pleurnicher, m'oblige pas à le dire au colonel. Allez, pluche. Mon lieutenant, regardez, cet homme va déserter. Silence dans les rangs, mettez-vous au pas et au trot. Une, deux, trois, quatre. Bien, je vais m'en occuper. J'ai fait ce que vous m'avez dit, je suis entré dans l'armée. Ah, ça, il est indéniable que l'armée vous a accepté l'excellent. Est-ce que je peux avoir mon acte de naissance? J'ai toujours les photos. Oui, bien sûr. Excusez-moi, mais qui c'est qui doit signer ma demande? Ça, il faut qu'elle soit contresignée par un témoin, un Duchenoc de vos amis. J'ai aucun ami qui s'appelle Duchenoc. Tout le monde connaît ce type-là, sauf moi. Non, mais c'est pas grave, c'est une figure de style, c'est une façon de parler. Il vous suffit de trouver une personne qui signera avec vous le formulaire comme garant, puis vous nous le rapportez. Et d'ici trois semaines, un mois ou plus tard, vous recevrez vos papiers. Vous avez dit un mois? Ah, il faut compter ça. Pas d'accord, moi j'ai besoin d'une patente de bananier tout de suite. C'est parfaitement légitime. Le ministre doit signer tous les certificats et il est très occupé. Légalement, c'est lui seul qui a autorité pour valider un document officiel. Je peux lui porter chez lui? Non, on ne peut pas. Laissez-vous tous et écoutez-moi. Voilà, on me dit qu'il y a ici un ministre qui refuse de nous recevoir. Je parie que ce type ne sait même pas que depuis des mois on poireaute dans cette baraque. Ouais, ouais. Alors je propose d'aller dans son bureau pour lui dire deux mots.
On verra bien. Venez, suivez-moi. Mon cher Torcillo, j'ai eu l'occasion de parler à notre ami commun, le président, et il m'a assuré qu'il s'intéressera en priorité à votre affaire. En conséquence, vous pouvez la considérer comme réglée. Je vous remercie, Ramon. Vous êtes très compréhensif. Et si vous entendez par là que j'obtiendrai le permis de construire le parc municipal au nord de la ville, ma reconnaissance se matérialisera par un chèque de 100 000 dollars. J'avais espéré un peu plus. Par ici! Mais qu'est-ce que c'est? Une révolution? Oh, mon cher Torcillo, c'est impensable. Oh non, ça c'est le monstre. C'est vous le ministre, il faut me valider ça. Garde! Garde! Alors écoutez, mon petit père, je vais vous accrocher au mur. Ça vous évitera d'attraper un mauvais coup. Et je vais le tamponner moi-même, cet enfant. Vous n'avez pas le droit. Vous allez commettre un faux. Garde! Tous ceux qui veulent un coup de tampon, par ici. Patron, vos ennuis sont terminés. Ils ont enfermé le monstre et jeté la clé dans le fleuve. Oui, ils l'ont arrêté pour désertion, incitation à l'émeute, insulte à agent de la force publique, violation de domicile et refus d'obtempérer aux sommations. Vous n'aurez plus jamais à sauter par les fenêtres. Capouille cette dragonnière dans les égouts. Si t'aimes pas ça, n'en mange pas, c'est tout. Pourquoi on m'a enfermé? Je pense qu'ils ont leur raison. Accrocher un ministre au mur, par exemple. Hein? C'est interdit? Non, ça les fout en rogne. Je moisis ici depuis trop longtemps. Ils devraient penser à me relâcher. Te relâcher déjà, tu plaisantes? On t'a pas dit que t'as écopé de 10 ans? 10 ans? Pas question de passer 10 ans ici. Je dois m'occuper de mon village. Et puis, je manque de place. J'ai besoin de me dégourdir les muscles. Allez, honte! Maintenant, tu vas avoir encore moins de place. On te donne un compagnon. C'est une drôle de coïncidence. T'as les mêmes cheveux que le petit salopard qui m'a escroqué. Oh, c'est amusant. Et alors? C'est parfaitement normal. Moi, je connais des tas de gens qui ont les mêmes cheveux que d'autres qui ont les mêmes cheveux. T'as mal à la gorge? Pas du tout, cette naissance. Écoute-moi, ton petit numéro, tu peux l'arrêter. Ah bon? Tu crois que je sais pas qui tu es? Non, mais je vais tout t'expliquer, tu vois. Ça fait un petit moment que j'attends la paire de pompes que tu devais m'offrir. Non, mais arrête-toi une minute, tu m'étrangles, là. Je vais t'expliquer tout. J'ai enfin réussi à te procurer une patente pour le commerce des bananes. C'est pas vrai. Comme je te le dis, j'ai un cousin qui est chauffeur chez notre archevêque. Et parfois, il me rend des services. Tu me charries, dis. Non. Des amis, j'en ai dans tous les métiers possibles. Chauffeur, huissier, flic. Et tu sais que j'ai réussi à toucher le président, hein. Notre président? Oui, notre bien-aimé président en personne. Figure-toi, il me sera éternellement reconnaissant si grâce à moi, il a un enfant mâle. Comment, grâce à toi?
Eh ben, j'ai pris la pilule. Enfin, je veux dire, le président a pris la pilule que je lui ai procurée par l'entremise d'un chauffeur de l'archevêque. Tu me charries. Mais laisse-moi finir l'histoire. Le chauffeur m'a présenté à son éminence, qui a été très ému par ton odyssée, et immédiatement contacté un de ses amis ministres pour qu'il te délivre une patente de bananier pour le secteur amandito au Lima. Et tu me l'as apporté, si je comprends bien. Eh oui, et non, là tu te trompes. Non, là, je l'ai mise à la poste 2 minutes avant d'être arrêté. Fatalita, c'est là. Ah, quelle fatalita. Ah non, mais je te rue. Non, mais rien n'est perdu. Marrant, non, mais crois-moi. Fatalita. Ça va, ça rentre. Oui, je vais t'étrangler de mes mains. Mais ça t'annoncerait à quoi de tuer. Hé, Banana Joe. Oui, quoi? T'as une visite. Une visite? Oui, on permet les visites, ici on n'est pas des chiens. Une visite. Oh, tu perds rien pour attendre, Fatalitas. Attendez, ne partez pas si vite, monsieur Lue. N'écoutez pas ce que vous voulez. Je peux pas rester ici, moi. Je veux changer de cellule, celui de mon appro. Vous êtes le complice d'un crime parfait. Pas de baiser, ni contact corporel, et dépêchez-vous. D'accord. Oh, Joe, je n'ai pas pu venir avant, j'ai été débordée. C'est rien, je suis si content que vous soyez là. Mais moi aussi, si vous saviez. Oh, Joe, vous ne devineriez jamais où je vais chanter. À Amantido. Amantido, c'est pas vrai. Amantido, c'est un trou perdu. Je veux dire que c'est tout petit, ça n'est qu'un village. Non, ça a énormément changé. Torcillo a monté une usine de traitement de bananes. Et tout le pays est en plein essor. Demain soir, on inaugure en grande pompe le Mocambo Club d'Amantido. Danse, chansons, champagne à volonté. Il y a même un casino. Je vais y chanter à minuit. Torcillo m'a offert un contrat qu'on ne refuse pas. Oui, je vois. Oh, j'ai reçu ceci pour vous. C'est arrivé par la poste à l'hôtel. Elle vient du ministère de l'Intérieur. Vous voulez pas me la lire, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Cher monsieur Banana Joe, nous sommes heureux de vous informer qu'à la suite de l'intervention de l'archevêché en votre faveur, vous êtes par la présente autorisé à récolter et à commercialiser les bananes dans une zone comprise entre Amantido et Limas. C'est signé illisible. C'est ce que vous désiriez, non? Le petit avorton n'a pas menti. Terminé. Oui. Au revoir, Joe. Prenez soin de vous. Dès que je serai revenue d'Amantido, je passerai vous voir. Tout va s'arranger. D'accord. À bientôt, Dorian. Ah non! Ah non, il va me tuer! Arrête-toi! La porte, s'il vous plaît! Je vais sortir! Si vous faites beaucoup, allez, vous ouvrez les barreaux, là! Sortez-moi d'ici! Mais on ne peut pas rester à l'hôtel! C'est un mensonge! C'est un monstre! Allez, tiens-le tranquille! Il va me tuer! Il est gentil! Il est gentil! Non, 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 il n'est pas gentil! Allez, vas-y, tu vas être bouffé! Je vais être fusillé, toi! Je vais être fusillé, c'est moins cruel! Non, non! Arrête tes caprices! Ose pas sur la tête, s'il vous plaît, monsieur le magistrat! Allez, vas-y! Pitié, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, d'accord, finissons-en, mais alors d'un seul coup, s'il te plaît. Hein. Là, tu frappes ici entre les deux yeux, là. D'un coup sec. Tranquille. Allons, allons, je vais pas te tuer. J'ai ma patente, t'es mon copain. Mon copain. J'ai un copain. Enfin. Je me demande si je préférais pas mourir étranglé, moi. Ça brille comme un miroir. Allez, frotte, petit frotte. N'oublie pas qu'Henry Ford a débuté comme cireur de bottes. Bonjour. Hey, pourquoi vous êtes si pressé? L'homme que vous cherchez est ici. Il vous attend depuis des années. Grouille, petit, le patron arrive. Ah, tu seras jamais millionnaire. Thank you.
président CEO. Merci. Et comme vous allez le voir, tout baigne dans l'huile. Il y a encore un bâtiment ou deux à construire, mais le club est presque terminé. Ah, une bonne nouvelle, c'est pas trop tôt. Et pour l'inaugurer en grande pompe, j'ai engagé une superstar, mademoiselle Doria. Sam Moreno, à votre service. Si vous voulez bien me suivre, tenez par ici. J'espère que vous avez fait un bon voyage, monsieur Tansillo. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait venir une caravane pour vous loger. Bravo. Je suis sûr que vous voudrez vous détendre. Ceci, naturellement, jusqu'à l'achèvement de l'hôtel. Ah, par ici, j'avoue que je suis plutôt fier de ce bâtiment. C'est un atelier de conditionnement des régimes de bananes de 800 mètres de long. Les meilleurs fruits sélectionnés électroniquement seront réservés à votre consommation personnelle, bien sûr. Merci. Mais c'est la moindre des choses. Non, mais le plus amusant, c'est que tout ça ne vous coûte pas un sou. La main-d'œuvre qui la garde perdra au jeu ou boira son salaire dans les établissements contrôlés par le groupe Tansillo. Oui, j'ai établi un système de rapport ouvrier-patronat idéal. Ils travaillent et nous, nous comptons la monnaie. Remarquable, Moreno. Voici le casino. L'intérieur est presque terminé. Après vous, mademoiselle. Nous y voilà, monsieur Tansillo. Le rêve du joueur, le joyau de notre organisation. On va dépouiller les princes et les mendiants. Bah, vous n'avez pas encore fini? Ces caisses de whisky n'ont rien à faire ici. Mettez-les à la réserve, voyons. Les machines à sous sont réglées de manière à ce qu'elles ne payent jamais rien. On ne fait pas la charité chez nous. Et il faut que tout soit prêt pour l'inauguration. Regardez, ces petites lumières clignotantes et multicolores vont hypnotiser les indigènes. Ils viendront comme des mouches sur le miel, mais ils ne ramasseront jamais rien. C'est parfait. Tu as fait un travail remarquable. On les plumera à mort, ces sauvages. Des moutons à l'abattoir. Buvons à nos succès. Champagne. Champagne. Mais c'est un tremblement de terre. Impossible. Il n'y en a jamais dans cette région. Quoi? Enfin, tu es sûr de ce que tu dis? Bien sûr que je suis sûr. Tenez, regardez. C'est écrit dans ce rapport sismographique. Chaque mètre carré de terre... Oh, oh mon Dieu. Tu sais ce que tu peux faire dans ton rapport sismographique? Cette secousse attend au moins un 9 sur l'échelle de Richter. Mais c'est impossible. La porte est coincée. Chacun pour soi. Sauf qui peut! Les bananes d'abord! Ça n'est pas un séisme, monsieur Tansillo! Oh! C'est encore le gorille! Quelle horreur! Doris, ce n'est donc pas un tremblement de terre, cette zone n'est pas sismique, j'avais raison. Tu es un pauvre crétin. Mais qu'est-ce que vous attendez? Empêchez-nous de démolir la baraque. Dorian, sortez de là, c'est plus sûr. Joe, vous êtes sorti de prison? Qu'est-ce qui est arrivé? Il était un peu à l'étroit entre ces quatre murs, alors il les a démolis. Hey, mais sortez-moi d'ici, quelqu'un! Qui a muré les fenêtres? Calmez-vous, patron, on va s'occuper du gorille, ne vous inquiétez pas. Un effet de mon imagination, et le coupable est là. C'est la faute au champagne, voilà tout. C'est incroyable. Pas vous moquer de moi si vous trouvez ça idiot, patron. Mais j'imaginais que le gorille barbu démolissait la baraque. Mais c'est pas vrai, il est encore en prison. Je suis bête, un petit glaçon, tenez. Un sourire et un coca. Oh, mais je ne rêve pas. Thank you.
Joe, on a fait un carnage de ces crapules, toi et moi, pas vrai? Hein? Et c'est pas fini. Il en reste encore? Ce coup-ci, amigo, on va s'occuper de ce monsieur Torsillon. Monsieur qui? Ah non, il est parti, monsieur Banana. Mais si vous voulez, j'irai le chercher, hein. Attendez-moi ici. Non, je le sentais pour une minute. Il est sûrement là, quelque part. Pas loin, en tout cas. Je vais vous le ramener. Prenez une banane, hein. Faites comme chez vous. Monsieur Torsillon! Non, vous vous trompez. Je ne suis que son frère, c'est moi. Bien sûr, et moi je suis Jeanne Fondin. Arrête de gigoter, bon sang. Non, t'as rien à craindre. J'ai seulement quelques mots à te dire. Non, Moret. Où es-tu? Où t'en es garde? Papa Joe Qu'est-ce qu'il y a? Des hommes arrivent par le fleuve. Ils sont tous habillés pareil. Des hommes? Tu es sûr? Oui, Papa Joe. Halt! Oh! La police! La police? La porte! Et vous, Banana Joe? Oh, ça va recommencer. Il vaut mieux t'en aller, toi. Bien, voici une autorisation officielle qui dit que j'ai le droit de vendre des bananes. Non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis ravi de vous voir. Cet homme, vous devez l'arrêter. Il s'est évadé de prison. Mais justement, nous sommes venus de Limas pour ça. Donnez-moi ces papiers, s'il vous plaît. Vous êtes recherché pour vous être évadé de prison en compagnie de Juan Vilas, dit Pedro Almeida, dit Paquito Rodriguez, ou encore Manuel. Non. J'ai beau chercher, je connais pas ce type. Ah, c'est dommage, Joe. Pendant que nous remontions le fleuve pour venir vous arrêter tous les deux, nous avons reçu un câble du chef de la police. L'épouse bien-aimée de notre bien-aimé président a donné naissance à... Une petite fille? Non, un garçon. L'Académie des sciences a déclaré que cet événement historique a été rendu possible grâce à la pilule de Tripodis Carbutas, découverte par le seigneur Juan Vilas, alias Pedro Almeida, alias Paquito Rodriguez, alias Manuel. Je suis là. Oh, oh. J'aurais parié que vous seriez dans les parages. Notre bien-aimé président a décrété une amnistie générale et tient à vous remercier très chaleureusement. Qui, moi? Notre président a un héritier grâce à vous, Manuel. Demandez-lui ce que vous désirez et vous l'aurez. Oh, alors je peux demander une télévision? Non. Et qu'est-ce que tu penses d'un cerf-volant? Non, attends, je vais lui demander des patins à roulettes, un magnétoscope, un aspirateur. Oh, c'est pas facile d'avoir... Attends, j'en ai assez, je proteste! Enfin, quoi? Depuis quand les malfaiteurs reçoivent des cadeaux alors que... Torsillo, dans cette région, le climat est très chaud, alors tu vas fermer ta gueule ou je te fous à la... Capitaine, il me menace de mort par noyade. Moi, Alfonso José Torsillo, c'est pas insensé. Arrêtez cet escroc! Capitaine, je sais pas lire, mais est-ce que cette photo ne vous rappelle rien? Ben, ah, José Torsillo, alias Licio Graputo, alias François Duval, alias Calvo Sébastien Sindona, signalement du suspect, taille 1m55, poids 60 kg, grosse calvitie avec des favoris. Noir, c'est ça, oui. Et eux, noirs également. Et voyons voir où suis-je. Oui, condamné par défaut pour escroquerie en Europe et pour détournement de fonds en Guyane. Inculpé de corruption de fonctionnaires à 5 reprises. Recherché pour tentative d'enlèvement d'un douanier et de trafic de bananes pourries dans 5 continents. Ça, c'est quoi, ton brigadier? Arrêtez-moi ce criminel! Capitaine? Oui? Vous trouverez ses copains dans ce qui reste du casino. C'est vrai? Vous quatre, suivez-moi! Joe, je sais ce que je vais demander au président. Qu'il me nomme président du banc. Eh? J'ai une idée, non? Eh ben, Joe, qu'est-ce que t'as? Manuel. Eh? T'es un escroc, non? Bah oui, c'est vrai, mais... Un escroc, ça peut pas devenir banquier. Qu'est-ce que tu racontes, Joe? Ne sois pas aussi naïf. Un escroc peut devenir banquier. Un escroc peut devenir banquier? Ah, eh oui. J'ai encore beaucoup à apprendre. Tu vois, Manuel, il faut que j'aille à l'école. C'est excellent, Joe. Retournez à votre place maintenant. Joe, que chacun de vous écrive son nom sur ses livres. Et surveillez votre écriture. Alonso, va écrire ton nom au tableau, va. Dis donc, Joe, je déteste l'école. Si on allait à la pêche tous les deux. Fidelio,
Un bonhomme qui ne sait ni lire ni écrire restera un Duchenok jusqu'à sa mort, crois-moi, mon garçon. D'accord, puisque tu le dis. En su barca noche y día, pájaros de compañía.